T'as pas d'amis. Tu sers à rien. On travaille en partenariat avec la mairie de Dax sur le thème du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Alors, je suis promeneur du net. Et un promeneur du net, en fait, c'est une personne qui fait le tour des réseaux sociaux, en fait, qui fait une veille de réseaux sociaux. L'intérêt de faire intervenir les promeneurs du net, c'est d'avoir pour chaque classe de première année un moment d'information, de sensibilisation aussi et de prévention sur le harcèlement. On va parler réseaux sociaux, harcèlement, cyberharcèlement. On a des chiffres de l'éducation nationale qui sont ressortis par rapport au nombre de jeunes qui parlent. Donc ils disent qu'il y a 1,2 million de jeunes qui sont fait harceler. Qui avait des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans? Oui, la plupart. Okay. On se rend compte que sur la classe qu'on a eue aujourd'hui, il y en a plus de 50% de jeunes qui se font harceler. Et c'est une moyenne que j'ai eue depuis que je fais cette intervention-là. Alors cette année, on a fait le choix de faire intervenir les promeneurs du net en début d'année parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était ça facilitait la prise de parole et le fait que les apprentis ne se connaissent pas encore. Et ça permettait de peut-être baisser certaines barrières assez rapidement dans leur communication et dans leur groupe classe. Voilà. Vous voyez, c'est parce que c'était par rapport à lui, par rapport à son corps, par rapport à son physique. Lui, juste parce que c'était celui qui répondait pas quand il se faisait victimiser. Je me lasse par rapport à sa sœur, ok, etc. Vous voyez, on a tous malheureusement vécu des choses différentes. Est-ce que vous étiez au courant de ce qui est arrivé aux autres ou pas? Ou vous l'apprenez là? Vous l'apprenez là? Ouais, ok. Vous voyez que malheureusement, vous n'êtes pas tout seul, ok, quand il vous arrive des choses. C'est un sujet qui touche tout le monde et qui malheureusement fait beaucoup de plus en plus de victimes. Et on fera tout pour que les personnes s'en sortent.